Salut à tous, alors je vous montrer les dernières trouvailles. Je suis un peu essoufflé parce que je viens de porter l'enclume que je vais vous montrer. Alors là, il y a deux caisses d'outils. En plus, c'est des belles caisses. Donc, dessus, c'est marqué Export Made in USSR. Donc la bonne vieille caisse bien solide. Donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc du compas, de la cisaille, de l'équerre, du machin, du truc. Ça, je sais pas c'est quoi, des gabarits ou des je sais pas. Donc il y avait un peu de tout, il y avait du tarot, la filière, enfin un peu de tout. Donc voilà, beaucoup de marteaux, un peu à tous, un petit marteau de bijoutier, joli comme tout, de la pince de forge, du tendeur, en fait il y avait un peu tout pour la forge, donc c'est nickel. Du tendeur à vis, ça c'est pour les chaînes pour cercler le bio. Voilà. Donc de l'équerre à chapeau un peu spéciaux. Enfin, spécial. Du burin à la chier. Il y a vraiment de tout. Ça, du forêt, bon, je forge du couteau là-dedans. Voilà. Beaucoup de lime, enfin il y a vraiment de tout, hein. Un truc un peu bizarre. Il y a ça aussi, aucune idée de ce que c'est, donc si vous avez une idée. Donc, voilà. Pour cambrer, ou... je sais pas du tout. Donc je vais vous montrer l'enclume. T'as peur, t'as. Hop, alors voilà. Alors j'ai lu avec le bon coin qu'elle fait 55 kg, c'est de l'acier moulé, donc elle a la table est nickel, elle a un bon rebond, enfin vraiment super. Donc le bio était pas avec, mais de toute façon il est trop bas, il convient pas. Donc c'est vraiment une enclume qui est en très bon état pour le prix. Elle réunissait un peu tout ce que je voulais, c'est-à-dire elle était pas loin de chez moi, elle était en très bon état, elle était pas chère et assez petite. Hop, donc voilà. Donc je suis très content. Là on voit la bouteille de gaz vidée et remplie d'eau qui va me servir à faire la petite forge à gaz. Parce qu'avant je forgeais avec ça. Donc c'est un peu mieux. Voilà. Bon ben je coupe.